savait là, qui veut dire qu'on compost ordinaire, il peut peut-être prendre 2 mois, 3 mois, etc. Puisque ça, la veille là, à dans quelques heures en journée, et matière organique là, il a transformé en vermicompost. Alors, imaginez longueur, basé sur ta si longueur à ça. Donc après, et empattement. C'est empattement au baignoire, c'est même baignoire là. Donc mettez 4 par au pain. Donc après, 4 par au pain. Donc après, toujours par rapport à ça, je vais expliquer là. Quand il a fait, Vela, il a consommé les matières organiques que nous mettons comme manger bail. Ça a passé en tube digestif. Il a transformé et il a remettre nous et vermicompost là. Il y a une deuxième raison qui a fait que c'est important dans la nature, c'est que Vela, si il a consommé, il a aéré sol là et il a décompacté. C'est le premier tracteur, enfin, peut-être qu'on va nous dire ça comme ça, piclet en pointaille là, donc il peut prendre azote, hein. Quand les gens piclet, ça veut dire qu'ils sont en vert qui adulte. Mais là, il y a hermaphrodite. Hermaphrodite, ça veut dire qu'il y a mâle et femelle à la fois. Et donc, ça vient parce que il peut reproduire grand balance. Et tu as fait là, par exemple, ça peut être intéressant de voir. Si tu as habité à un petit Jean-Feignan, vous pouvez voir. Ça, on disait, Caillou. Vous pouvez voir. Pourquoi? Parce que. S'il te plaît. Pourquoi? Parce que là, on va récupérer peut-être fumier habité. Il y a un hiver dedans aussi. Donc il est mélangé avec Vela. C'est pas plus mal, c'est pas un problème. D'accord? Bien. Alors. Tu ne peux pas en faire plus grand. Est-ce que tu as un petit Vela? Petit. Est-ce que tu as un petit Vela? Oui, oui, oui. Et petit, mais quand même efficace. Ça va? Ok, bon. En tir d'aujourd'hui, là, nous qui bavons là, balayons et nous qui respectons. Si vous voulez disparaître en Guadeloupe, nous pouvons fourrer en fourchette en terre encore. Application pratique encore. Nous pouvons fourrer. Donc ça veut dire qu'il y a aéré. Il y a aéré le sol là. D'accord? Bien. Et on compare à Simon Soussou là. Voilà. Bien. Alors, libéré Bauti là, ça, c'est juste pour les bons points. Baignoire là, ça, les gens servissent. Et mis en train de récupérer compost là, jus de vermicompost là. Ça. Alors, quelques mois, d'accord, 3 mois, 2-3 mois, ok, ni ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, à placer. C'est un fumier, enfin, c'est un fumier. Mais voilà, j'en ai là qu'il a là. Eh bien, ou que récupérer jus là, ça, pas qu'il servit à veille, concentrer, j'en ai là. Ça, c'est une tentation que nous n'y souvent, comme nous dans le ballon et nous dans l'excès. C'est en période de connaître ça, je dis vous. Oui, il n'est pas trop bon là. Peut-être qu'on nous tourne. Mais on n'a pas trouvé. Mais c'est pas un problème, nous changer ça. Dans ce sens-là. Hein. C'est pas possible. Alors pourquoi on pose dans ce sens-là la question? Ne le trouvez pas là. On y répond à la question. Hein. Ouais. Alors, on a compris. On lit pour en haut, on dit lui. Alors 1 pour 10, 1 pour 9, quel bas 10. D'accord? Donc en fonction de machin, s'ils sont en menant un petit bitin là, bon. Quand mettons en hauteur et du jus de vermicompost et on va mettre 9 d'eau. Okay. Et après ça, le cap on finit. Est-ce que faut juste à qui degré ou peut accepter que mettre là tenir antibiotique etc. Est-ce que ça peut pourrir, contaminer le sol ou est-ce qu'il faut rien qui rase en nous qui panique des bitins comme ça que nous arriver sans mettre ton paquet de médicaments et tout ça. On va répondre la finale. On va répondre. Oui. Parce que deux butins, la décomposition là, moi je n'ai pas de médicaments, à part ça, va dans la luserine en moins et sel en moins, qui stade la décomposition à 100 points. Ça veut dire que vous pouvez prendre à l'entrée, à la sortie, vous n'y a rien encore. Donc, question, bon, on ne peut pas répondre. Mais, par contre, ça on peut garantir, c'est que moi personnellement, on servi avec bout d'épuration. Et en fait analyser, il a dit arrêtez ça parce que nous avons un métaux lourd là-dedans. Le bout de pluration, c'est genre, oui, c'est le putain dans les stations. Pas servir avec ça parce qu'on ne peut pas polluer.
Ouais. Donc, ça va, mais souvent, ça rentre dans sa typologie-là. Et vous arrivez à là, mais pour le sang, vous ne pouvez pas répondre. C'est juste une corde de mots. Nickel avec moi. Ah, t'as qu'à dire oui, c'est tout à fait logique, puisque nous avons trouvé médicaments dans de l'eau là. Donc, si bête là, chargé en plus, pour, parce qu'il y a dans la production, surproduction, enfin bref. Et donc, il est pollué sur l'eau. C'est pour ça qu'on tenait une autre question par rapport à ça. On peut mettre, est-ce une idée contre, enfin, est-ce une idée butin pour ne pas mettre à dents, compost là. Parce que, par exemple. Oui, non. Non, mais on veut dire. Déchets. Oui, non, mais principalement, c'est végétaux, mais pas animaux. Parce que, on me demande, est-ce que ça a senti? Mais c'est là où on va mettre des déchets animaux, c'est là qu'il est senti, c'est là qu'il y a d'autres. Non, aussi. Okay. Non, ça ne répond ça, pas d'accord. Puisque pour faire l'ombre compost, c'est partie de déjection animale. Non, pas. Non, papa. Oui, déjection. Mais il y a un compost là. Non, hein, comment? Déchets animaux, c'est qui dit? Non, là, quand il parle de déchets, c'est plutôt. Déjection. Rester à viande, rester à graisse. C'est de ça que tu es capable. Moi, je suis exemple à part. Non, non. Viande. On te comprend ça. Voilà. Excusez-moi. Non, moi, tu es capable de déjection animale. Nous viens d'accord. Oui, bien sûr, nous répondons aussi. Non, t'as dit, on a dit, au niveau à déchets animaux, carcasses animaux, laissons l'élevage, on nous dit, c'est bien. On l'élevage de butin. Si on vous a un carcasse de butin, il y a deux savants. Donc, tout ça.